Hello tout le monde, c'est Asso. Aujourd'hui on se retrouve pour le 13ème épisode sur Assassin's Creed Unity. Je suis en solo et on continue les séquences, donc bien entendu solo, bien, voilà. Bonjour. Salut. Et... tiens. Hop. Découpage. Dégage de là tout de suite. Voilà. Et souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait... On avait joué les experts à Paris pour découvrir qui c'est qui a assassiné ce pauvre petit bonhomme qui était dans son lit comme un gros con. Voilà. Et je ne voulais pas accuser ma femme, souvenez-vous, et je ne voulais pas non plus accuser tout de suite ce monsieur, comment il s'appelait déjà ? Kemar, ouais c'est ça. Ce monsieur Kemar qui était... dégage. Qui est en fait un assassin lui aussi. Et je voulais continuer mon enquête. Maintenant la question que je me posais était, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais accusé un des deux pendant la mission ? Est-ce que ça aurait... peut-être changer quelque chose, je ne sais pas trop. Je ne pourrais pas retester. Du moins, si, je vais devoir refaire l'émission de toute façon, puisque j'ai encore une fois merdé les défis secondaires, comme un cucu. Mais bon, c'est pas très grave en soi, mais disons voilà. Mais je me demande quand même ce que ça aurait donné comme impact, disons, dans l'histoire. Voilà. Si ça se trouve, je sais pas, ma femme n'aurait plus été ma femme, Kemar aurait directement duel contre moi, enfin je ne sais pas, hein. Allez savoir. Faudrait tester ça. Ah, le cas, me rompre le cou en courant ? Ouais, bon. Quand même. Ça va, je sais courir droit quand même. Et la prochaine mission. Merde, tu es le messager sans se faire. Ouais. Ouais, tu es le messager sans se faire machin, sans truc. Non, mets-toi à couvert. Il est où le messager d'ailleurs ? Qu'est-ce que tu vas faire ? T'es cinglé, mec ! Et... c'est con la vie. Wow. Ah ouais, t'es comme ça toi. Oh bâtard. Et j'ai pas le temps de jouer avec vous les filles là. Alors voilà, tu dégages. C'est qui parle de quoi? Phil. C'est incroyable. On va juste récupérer quelques remèdes si toutefois on le peut. Bien que j'en ai pas forcément l'utilité, mais ce n'est pas grave. Et cette fois-ci, je vais les laisser souffrir. Voilà. Ça fait mal. Hein. Ouais, bon. Allez, pas de remède, on s'en fout, on se casse. C'est pas très important, de toute façon. C'est pas comme si j'en avais 14 sur moi ou. Enfin, 14 au total, mais là, plus que. Ouais, plus que 12. C'est bon, quoi. Je vais quand même pas utiliser les 12, on est d'accord. On est d'accord. Continuons. 300 mètres et quelques. Non, mais j'ai rien fait, merde. J'ai... Wow. Non, ça va. Je pensais me prendre une balle. Tout va bien. Ok, on va continuer tout droit. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est magnifique. Ces jeux de lumière, ces effets de lumière plutôt qui sont... Oh là là. Complètement incroyable. HBO Plus, bienvenue chez Nvidia. J'adore. Non, j'ai pas vu, mais je vais s'occuper. Voilà. Ah non, je refuse. Eh, je sauve un citoyen, enfin du moins j'aide un citoyen en récupérant son bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais chier? Non, je suis pas d'accord. J'aide la populace, moi, monsieur. Pas comme toi qui étais en train de bouffer un donut alors que tu viens de voir quelqu'un en train de se faire piller, ok? Putain, c'est pas croyable ça. Bon, poursuivons. Allons continuer notre superbe enquête et cette fois-ci nous allons trouver le meurtrier. Je crois que c'était pas du tout par là que je devais aller, mais c'est l'endroit d'une mission, il me semble, que j'ai fait tout au début, une des premières séquences avec papy. Il me semble que c'était par là. Je suis pas certain, toujours est-il. Si, c'est tout à fait là. Oh, bravo. Alors ça c'était joli ça. Confrontation. Je reçois un truc bonus, je ne sais pas ce que c'est. Toujours est-il, le meurtrier de Mirabeau a laissé... Ah voilà, c'est Mirabeau qui est mort. A laissé une piste, remontez là et faites justice. Absolument. Ça dépend, je suis payé pour ça ou pas? Oui, je suis payé, c'est bon. Qu'espères-tu y trouver? L'apothicaire dit que c'est ici qu'il a livré le poison. Il ne nous reste plus qu'à trouver une piste et à la remonter jusqu'à sa source. Trouver une piste? Tu te prends pour un chien de chasse? Quelque chose comme ça. Pour un expert, madame.
localiser des indices avec la vision d'aigle. Voyons voir. Ok, toi. Bon, ben. Le chemin est tout rasé, j'ai envie de vous dire. C'est par ici. La clochette. Sabotons la clochette. Voilà. Autre chose peut-être. Ouais, continuons. Bon, voyons si tu trouves cette piste. Oui, 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 suis-moi, chérie, suis-moi. On est bien, on est bien. Ok, donc déjà, il grimpouille. Pour moi, c'est un assassin. Forcément. Si grimpouille il y a, c'est un assassin. Puisqu'un templier m'a jamais la suivi sur un mur. Ici. En es-tu sûr? Certain. Bon, moi, je suis pas certain, non. Moi. Attends-moi ici. Ne sois pas ridicule, je ne vais pas te laisser y aller seule. Élise. Il faut que je le fasse seul. Je t'en prie. Un petit bisou. Un petit bisou. Je comprends. Le bisou. Le... Oui, oui, non. Oh. Nul. Vaut mieux de revenir vivant. Ah. Le bisou, là. Oh, sérieux. Incroyable, toi. Bon. On va voir. Examiner la piste. Qu'est-ce que tu as à faire? Bien sûr que oui, je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien. Est-ce qu'il y a des touristes par ici? Est-ce qu'il y a potentiellement des gens à aller savoir? Alors la piste s'arrête ici, vite fait, bien fait, hein, parce que moi je vois encore plein de trucs qui clignotent là sur mon écran. Donc la piste s'arrête là, oui, vite fait. Hein. Tu lui as un peu mitonné à ta chérie là, parce que... Hein, ok, ok, vas-y monte, monte. Bon, ouais, ouf, où ça? Marche aussi. Ah ah! Ah ah! Qui as-tu, toi? Non, regarde, regarde, regarde. Oui, tout à fait, voilà, maintenant encore un petit effet. Oh, t'es un génie, mon vieux. Il t'en a fallu du temps, merdeux. C'est Bélec. Toi. J'aurais dû savoir que ce serait toi c'est qui me trouverais. Toi. La vraie question, c'est ce que tu vas faire maintenant. Bah, j'ai un fusil c'est sur le dos. C'est toi qui as empoisonné Mirabeau. C'était lui, te le dire. Poison. Sa paix avec les Templiers n'est qu'un rêve. Et tu es le seul homme capable de pouvoir sauver la confrérie? Tu crois que c'est la première fois que ça se produit? Que c'est la première fois que les assassins ont dû éliminer leurs dirigeants? Tu penses vraiment que c'est la première fois que la confrérie a dû renaître de ses cendres? Non. Massiaf, Monterrey Johnny, les colonies d'Amérique. Ça s'est déjà produit. Et nous nous sommes relevés plus forts que jamais. Mais cette fois... On s'est égaré, Arnaud. On s'est enlisé dans la politique et les révolutions. Nous ne sommes pas une nation, mais une armée. Et dans une armée, pactiser avec l'ennemi revient à trahir. Mais non, je ne suis pas le seul à pouvoir sauver la confrérie. On le peut. Tous les deux. Bélec, tu sais que c'est impossible. C'est bien dommage. Rends-toi. Rends-toi. Bélec, je t'en prie, reviens avec moi au conseil, et nous réglerons ça entre gens de raison. Les gens de raison ne traitent pas avec les Templiers, petit. Oh, il va y rester vite fait. Frappe étourdissante. Frappe étourdissante, frappe étourdissante. Alors attends, comment on fait une frappe étourdissante? Je sais pas du tout, moi. Ah, il s'applique, hein. Frappe étourdissante, frappe étourdissante. Tu n'es qu'un pauvre merdeux sans cervelle. Et toi, t'es qu'un vieux papy oui, tout con. C'est ce qu'on dit. Ciao. Non. J'allais faire maintenir eux pour passer. Oh là, j'ai failli faire une connerie. Il commence à m'intéresser, papy. Vraiment. Je te jure, vraiment. Frappe étourdissante, frappe étourdissante. Est-ce que c'est de ça qu'il parle? Non, c'est pas de ça qu'il parle. Je sais pas, frappe étourdissante. Comment on fait une frappe étourdissante? Aïe. Oh, mais t'es qu'une vieille croûte. Tu sais que t'as aucune chance de toute manière.
étais si prometteur! Je te croyais capable de penser par toi-même! Je le fais, Belek. Mais je ne pense pas comme toi. T'es sérieux? Tu sais que tu vas passer par-dessus moi. Voilà. Ah, avec moi en plus. Funky, toi. Ouvre les yeux, petit. J'ai vu des Templiers massacrer des villages entiers dans le seul but de tuer un misérable assassin. Dis-moi, dans ta vaste expérience, qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu le grand maître de l'ordre des Templiers recueillir un jeune orphelin et l'élever comme son propre fils. Tu veux remettre ça? Tu sais que tu n'as pas de chance contre moi, Belek. Et je ne sais pas comment faire ces frappes. Je suis vraiment navré, les amis. Oh, je vais te trancher la tête. Je vais te... Ah non, peut-être pas. Ok. Si, je vais te trancher la tête. Je confirme, regarde, je vais te trancher la tête. Je vais te trancher la tête. Manu. Arnaud. Et tu vas me dire qu'il a disparu le coup. Je n'ai rien. Reste où tu es. J'aurais dû te laisser croupir à la Bastille. Dis-moi, as-tu jamais cru au credo? Ou as-tu toujours été un traître à la solde des Templiers? Rien ne nous oblige à nous battre, Belek. Tu ne me laisses... Si, on va se fighter. Et attends, on va se fighter correctement. C'est toi et moi, Belek. Arme à une main. Si seulement tu pouvais comprendre, la confrérie retrouverait une puissance qu'elle n'a pas connue depuis 2 siècles. Oh oui, tuer tous ceux qui ne sont pas de ton avis est le meilleur moyen de renaître de ses cendres. Il n'est pas là. Attention! Oh, il a tenté un assassinat aérien. Alors, maintenant au moins c'est clair. Ce n'est pas Mirabeau qui t'a corrompu l'esprit, c'est elle. Tu la touches, je te défonce. C'est le dernier résidu de cette folie. Belek, tu me remercieras un jour. Ne fais... N'y pense même pas. Bien. Entre toi et moi, j'ai dit, garçon. Bien. Alors, t'as rien dans le sac, mon grand? Regarde. Tac. Qu'est-ce qui se passe? Et au fait, accessoirement, moi aussi je peux sortir un gun, regarde. Alors. Eh ouais, ça picote, hein. Vas-y. S'il te reste une once de conviction, si tu n'es pas qu'une peau de ruche en amouré, tue-moi maintenant. Bah, accessoirement, j'aimerais bien te laisser en vie, en fait, et t'emmener directement chez le patron. Je la tuerai. Pour sauver la confrérie, je réduirai Paris en cendres. Ah ouais. Je sais. Je t'ai formé mieux que ça. Tue-moi comme il faut. Je veux pas. Attends, Harakiri. Eh putain, non, moi je voulais l'emmener directement chez le patron, moi, parce que qu'est-ce qu'il va me dire qu'il me croit, hein? Merci, mon ami. Faut bien que tu retournes auprès de ton petit en un seul morceau, hein, merdeux. T'as fait tomber ça. Eh bien. Que tu sois maudit. Tu comptes vraiment aller jusqu'au bout? Ton protégé se porte garant d'elle. Ne lui fais-tu pas confiance? Je mourrai pour lui, c'est la fille qui ne me plaît pas. Je ne peux rien dire pour te convaincre. J'ai bien peur que non. C'est ce que je craignais. À ta santé. À la tienne. Repose en paix. Repose en paix. Non.
il était vraiment sympa ce combat. Même si je n'ai pas réussi à faire des frappes étourdissantes, je sais pas comment, mais on va checker ça rapidement. Ouais, voir. Qu'est-ce qu'il veut de passer de quoi ? Bon sang de bonsoir. Désolé de cette interruption, mais encore des ennuis. Bishop, tu es là ? Je suis là. Tu sais ce qu'il faut faire. J'ouvre déjà une passerelle. Tu sais, Deacon, je crois qu'Abstergo n'a toujours pas digéré ce que tu leur as fait le mois dernier. Tu le penses vraiment ? Ok, la passerelle est ouverte. Vas-y. Il est difficile de fouiner dans les données séquencées d'Abstergo sans laisser un peu de désordre, non ? En fait, on n'a pas fait que fouiner. On a volé leurs données, détruit leurs échantillons de précurseurs et fait fondre quelques serveurs. C'est pas mal. Wow. Ouais, alors attends, parce que juste vite fait, j'ai pas envie de me faire écraser, mais... corps à corps. Est-ce que c'est ça ? Non, c'est ça, des attaques puissantes. Frappe étourdissante. Comment fait-on une frappe étourdissante ? Ouais, grenade étourdissante, ça j'ai bien compris, je l'ai testé, ça n'a pas marché. Ok. Déguisement, ouais, non, tout ça, ça n'a rien à voir. Dissimulation dans le décor, non plus. Non, bah franchement, ta frappe étourdissante là. Qu'est-ce que ça aurait pu être? J'en ai pas la moindre idée, les amis. Bah, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi, honnêtement, là, je ne sais pas du tout. J'ai perdu énormément de temps du coup. Je vais peut-être me faire écraser par un mur rouge que je sais pas trop ce que c'est. Mais on va essayer de s'en sortir vivant. Cours, mon frère, cours! Tu peux le faire. Et il y a un peu de monde qui a disparu. Ouais, voilà. 30 mètres, ok. Il y a un coffre. J'ai peut-être pas forcément le temps. Dis-moi que j'ai réussi à foirer ce portail. Ah, visiblement, oui, j'ai réussi à foirer le portail. Bravo, Asso. Ah, il saute dedans. Voilà. Et maintenant, bonne question. Trouver la sortie des égouts. Et nous okay. Y voilà, en plein chaos de code endommagé. Cette fois, le portail est en hauteur, à quelques centaines de mètres du sol. Je suis en pleine Deuxième Guerre mondiale ? Ou c'est moi ? C'est ça. Oh la vache ! Alors pourquoi j'ai dit ça avant même de voir un peu plus de décor ? Ben j'ai vu le tank en fait, tout simplement. Et je sais pas pourquoi, mais c'est ça ce qui m'a dit que... Et je vais devoir monter sur la tour Eiffel. Oh, je suis ultra fan. Ok, c'est comme l'autre fois. Je le savais. Bien trop dangereuses. Tu dois reste hors des faisceaux. Non. Je vais faire de mon mieux pour te guider. Monter sur la tour Eiffel. Je vais devoir monter sur la tour Eiffel. Trop stylé. Mais vraiment trop stylé. Une escalade, blablabla, bondi sur le truc. Ouais. Oh, tellement génial. Tellement génial, les amis. Je suis trop content de pouvoir faire ça. Non, mais rendez-vous compte. Je suis en train de grimper sur la tour Eiffel, quoi. Trop stylé, mon gars. Vas-y, monte, monte, vite, monte. Nice. Parce que là, s'il me tire dessus, par contre, je fais une bonne petite chute et à mon avis, je vais pas me relever de celle-là. Ok, on va voir comment on peut passer à la suite, là. On va faire le tour. Oh, couche-toi. Wow. Oh, de la bombe, toi. De la bombe de balle. Tellement fun. Ouais, voilà. Ça va pas tenir longtemps, je sais pas pourquoi, mais saute. Et ça va? Wow. Énorme bordel. Non! Bordel, toi. Vite, monte. Voilà. Si je me prends une balle maintenant, j'en ai rien à cirer. Rejoindre le premier étage, check. Maintenant. Maintenant, on va continuer à monter. Puisque notre but étant de grimper au sommet. Par où peut-on passer? Par là, ça me paraît bien. Il y a de la lumière. Quand il y a de la lumière, c'est une bonne chose. Saute! On peut pas prendre l'ascenseur, non?
Non, dommage. Allez, go. Wow. Ok, le machin électrifié là, c'est peut-être pas le bon plan. Oh là là, tellement stylé. Tellement stylé, les gars. Ok, l'échelle. Nice. Accès interdit au personnel, personnel autorisé seulement. Un truc, machin, chose. Ok. Oui, je fais partie du personnel, voyons. Absolument. Wow. Trop stylé. Oh ouais, je peux. Vraiment, je peux. Oh yes. Ouais, vas-y, viens là. Non, j'ai pas eu. Maintenez contrôle pour vous abriter de la mitrailleuse. Ah, d'accord, très bien. Tu vas te détendre, petite croûte là. Moi je te fume, moi. Viens là, fais demi-tour. C'est entre toi et moi. Voilà, ciao. Un petit freeze également. Du coup, la tour ne prend plus de dégâts, c'est ça le concept? Ok, je suppose que c'est ça. Magnifique, mais regardez-moi ça, les amis. Ah oui, alors j'en profite, hein, parce qu'en même temps, c'est juste. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et le zeppelin, carrément toi, complètement fantastique. Ok, on va grimpouiller par là si toutefois je le peux. Non, on peut pas, d'accord, très bien. Si on peut, il n'y a pas le choix. Alors grimpouille. Non, tu veux pas? D'accord. Par où on peut passer? Ah bah je vais devoir aller sur le zeppelin visiblement. Bon, très bien, allons sur le zeppelin. Oïs. Et là je sens qu'il va se passer une connerie. Ah, les portails. Là, voilà ton issue. Fais vite. J'aimerais beaucoup, figure-toi. Ah, d'ailleurs, ok, je dois aller sur le cul du zeppelin. Oh, les amis. Oh, les amis. Je suis, mais tellement fan, toi. Oh, cette séquence était monstrueuse. Ouais, vas-y, monte par là. Wouhou! Et il commence à faire plutôt froid par ici, non? Alors il y a des pics un peu partout à gauche à droite. Aïe, aïe, ça picote. Non, ça picote pas trop, ça va. Oh là 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 là, les amis. Je suis mais tellement fan. Non, regarde, va à gauche, ouais, c'est par là qu'il fallait. Je le sais, c'est par là. Encore à gauche. Voilà. Parfait. Maintenant, je ne sais pas trop. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec le mécanisme juste là. Ah ben, il le fait tout seul. What a master. Wouhou. Génial. La grande classe, Arnaud, la grande classe. Là, tu m'as envoyé du rêve. Messieurs, bonjour. Comment ça va? Je ne sais pas trop ce que vous foutez ici, mais c'est pas le meilleur des endroits, croyez-moi. Wow. Oh là 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 là. Viens là, terre-moi toi. Approche. Où est-ce que tu te planques? Oh merde, y'en a deux. Wow, ça picote. Ok toi. Tendu toi. Viens là. Ah bâtard. Toi je t'aime, toi t'es à moi. Voilà, ciao, suivant. Tu vas mourir avant moi. Ah ok, d'accord, en fait je ne peux pas tirer pendant que... D'accord, je me suis dit vas-y, je prends des dégâts, j'en ai rien à tirer. Mais non, en fait je ne peux pas tirer. Oh salut toi. Je ne peux pas tirer pendant que je me prends des coups, bon, ce qui est plus ou moins normiche en même temps, j'ai envie de vous dire. Mais tout de même. Fuir par le portail, moi je veux une vue. Je veux une vue de Paris une fois en haut là. Comment fait-on? Passer par le centre là directement? Non, on peut pas. Wow, garçon. Détente, ne fais pas le fou.
Et je suis sûr que tu peux grimper sur l'extérieur du truc, toi. Non, tu peux pas? Très bien. Comment je fais? Par ici directement? Ah bah ouais, ok, d'accord. Nous y sommes au sommet. Oh, c'est, putain, c'est beau. Mais regardez-moi ça, le zeppelin. Eh, hey, attends. Ouais, je me suis pas, vous avez compris la connerie, hein. Mais en même temps, je suis un petit peu loin. Un truc que j'aurais dû tester avant ça. J'aime bien faire ce genre de test. Je ne cherche pas à t'alarmer, mais ce portail est très instable. Oui, bah ne m'alarme pas alors. Bon, ah, il a disparu. Poursuis ta route, on va le rouvrir. Avec plaisir, toi. Je peux faire une synchro ou pas? Ça devrait faire l'affaire. Tu vas devoir sauter. J'y vais. Oh là là. Magistral. Complètement magnifique. Et regardez-moi cette image, qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Super fan. Évaluer la mémoire? Absolument, tu vois. Ah oui, ça mérite. Complètement. Ah, je suis super content. Ça, c'était vraiment intense maintenant. On va voir ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire encore avant la fin de cet épisode. Merci, Deacon. Essayons de limiter ces transferts au maximum, d'accord? Eh, c'est à ton initié qu'il faut dire ça, ma jolie. C'est pas moi qui laisse mes empreintes numériques aux quatre coins de Paris. On croirait une meute de chiens de chasse. C'est je vois pas de quoi tu veux parler. L'appellation a besoin de toi. Je ne vois pas de quoi tu... Oh, oh là, là, alors là, ça c'était du grand art aussi. Le poney qui débarque là comme ça, c'était plutôt sympa. Est-ce que c'est toi, darling, qui... Qu'est-ce que c'est? Interagir. Journal de Paris. D'accord. Intéressant, j'avais pas encore cette... 32 000 boules. Intéressant aussi ça. Ouais, ouais. Oui, j'ai vu, madame. Oui, ouais, pas, ne parle pas de moi, s'il te plaît. Voilà, j'ai s'occupé de tout. C'est la première fois sur le radar que je vois un truc, une lettre de Paris, je ne sais quoi, là. J'ai pas tout à fait compris le... Bon, toujours est-il... Voilà, il y a encore une feuille de papier, je sais pas si vous la voyez sur le radar. Et ça, c'est un truc que je n'avais jamais vu avant. C'est intéressant. Est-ce que j'ai le million? Bientôt, bientôt. Encore 22 000 et j'ai le million. Wouhou! Alors je vais rapidement jeter un coup d'œil parce que ça m'intrigue un petit peu quand même. Et il y en a énormément des trucs journaux, je ne sais quoi. Très intéressant. Pardon, excusez-moi. Mais un piètre marin, je le crains. D'accord. De l'Amérique. Une femme. En quelque alors sorte, c'est surtout le mal de très intéressant. J'ai découvert que je n'avais pas du tout le pied marin. Accéder à la base de données, le Patriote. Journal de Paris. Oui, j'ai bien compris que c'était le journal de Paris, mais moi je veux savoir pourquoi d'un coup ça apparaît sur le radar, alors qu'avant ce n'était absolument pas le cas. Comme maintenant, par exemple, où il y avait encore 3 pièces de journal sur la carte, et je ne les ai plus, à nouveau. C'est bizarre, ça. Très bizarre. Bon, toujours est-il, ok, soit. La mission suivante. Où est-elle? Ah bah elle est au café, pas compliqué. Simple et efficace. Bon, du coup, maintenant que j'ai tué le... Mon ami Pépé Bellec, qu'est-ce qui se passe? Parce que, pour le coup, j'aurais bien aimé le ramener en vie, moi. Pourquoi on peut pas choisir ça, hein? Pourquoi? Parce que c'est scripté? Oui, c'est possible. Mais quand même, j'aurais bien ramené papy. Pour lui dire, vas-y, avoue tout à ton... au patron. Mais non, bon, tant pis. C'est pas grave, hein. Faut assassiner, moi j'aime bien aussi assassiner, mais disons. Bon, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Qu'est-ce que c'était ça? Ah, c'est une mission cop. J'ai déjà tout, monsieur, j'ai déjà tout. Ah, c'est le tournoi. Oh là là, cette mission tellement buggée, toi, en cop à l'heure actuelle. Juste complètement dégueulasse. Alors, j'aurais pu arrêter mon épisode ici, pour une fois, j'aurais tenu les 30 minutes. Et c'est peut-être d'ailleurs ce que je vais faire, hein. Ça changerait pour une fois. Ouais, eh ben vous savez quoi, les amis? Pour une fois, je vais suivre ces 30 minutes. Je vais arrêter mon épisode ici pour cette fois. Et moi, je reprends pour le 14e épisode très bientôt. En attendant, les amis, moi, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis
à bientôt. Salut tout le monde. Bien le bonjour. Tout va bien? Oui, ça va, ne t'énerve pas, tout va bien, regarde. Respire. Tout doucement. Voilà. Ça va? Très bien. Eagle? J'aime pas ça, j'aime pas quand il dit ça. Quoi? Mais c'est bon, ils sont décédés.